Eh bien, salut tous amis, c'est Jimmy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui ce sera une vidéo concours, les amis. Mais cette fois-ci, le concours ne va pas se passer comme d'habitude, hein, parce que j'ai remarqué que depuis que je fais des concours, j'ai de plus en plus. Bah après, c'est genre, enfin après voilà, tout le monde peut participer, ce n'est pas ça. Mais beaucoup de personnes que je ne connais pas sur les concours, hein, donc je vais décider maintenant de vous faire des concours uniquement pour ceux qui me connaissent. Hein, donc ce sera, il y aura trois questions. Trois questions à vous poser, hein, donc je pense qu'il y en aura une. Bah, je dois vous poser là. Bon, d'abord vous montrer qu'est-ce que je vais faire gagner. Donc je vais faire gagner un code donc que j'ai reçu en fait dans un collector. Je vais vous montrer de quel jeu il s'agit. Hein. Mais moi, vu que j'avais acheté le jeu auparavant en démat, hein, je l'avais craqué pour le prendre en démat. Et au final, je n'y avais pas joué. Hein, donc après ça, c'était dû à un échange. Hein. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo échange avec Yoshi Gamer, je vous invite à aller la voir. J'ai fait un petit unboxing sur le jeu. Donc j'avais récupéré ceci par mon ami Yoshi Gamer, hein, qui m'avait fait un échange contre le Life is Strange Before the Storm, tout simplement. Et en fait, dedans, à l'intérieur, vu que j'avais acheté, moi, la Deluxe Edition en démat, hein, et ben, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec un code que je possède déjà. Donc, bien sûr, ce n'est pas le jeu complet, évidemment. Il s'agit de l'épisode 4, donc on va dire l'épisode bonus, hein, donc qui... L'épisode qui se nomme Adieu, je pense que c'est un épisode qui est en relation avec Chloé et Max Caulfield, je pense que c'est ça. Hein. Et en gros, ce serait avant l'épisode le premier, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc je ne vous montre pas le code, enfin le truc tout simplement, parce que vraiment le code est devant l'image, donc je ne vous le montre pas. Hein. Voilà, ce sera pour ceux qui gagnent. Donc voilà, comment je vais procéder pour ce concours? Il y aura trois questions à vous poser. Hein. Celui qui aura le plus de bonnes réponses, d'ailleurs j'ai fait des clins d'œil sur quelques vidéos, hein, je ne vous dis pas lesquelles, mais voilà, si jamais vous voulez aller voir, hein, je pense que c'est sur un live et sur d'autres choses, j'ai fait des clins d'œil par rapport à ça. Hein. Il y aura même des avis, d'ailleurs un avis qui va bientôt être posté aujourd'hui, donc ça peut être un indice pour vous également. Hein. Donc il y a trois jeux au total. Donc voilà, la première question ce sera... Me dire quels sont mes trois jeux préférés. Hein. Il y en a un que vous me voyez souvent jouer dessus. Il y en a un que j'en ai déjà parlé sur une vidéo. Et il y en a un autre que bah, l'avis sera posté aujourd'hui. Hein, parce que je n'ai pas eu le temps de poster auparavant. Et du coup, l'avis sera posté aujourd'hui. Donc, mes trois jeux préférés. Hein. Il n'y a pas d'ordre possible. Hein. C'est n'importe quel jeu. Ceux qui me connaissent, vous savez peut-être de quoi il s'agit. Hein. Voilà, ensuite, on va enchaîner avec. Une deuxième question, donc quel était le full set que je faisais auparavant, hein, c'était dans le jeu vidéo, hein, mais quel support, hein, quel était ce fameux full set que j'ai commencé et que j'ai arrêté par la suite, hein, donc voilà, deuxième question. Et la troisième question, ce sera actuellement, qu'est-ce que je collectionne le plus? Est-ce que c'est les jeux vidéo ou tout simplement autre? Donc, autre, je parle bien sûr en film, en toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est pour ceux vraiment qui me connaissent. Hein. Donc voilà, je mettrai bien sûr dans la description un petit peu les questions dans l'ordre, hein, comme ça vous voyez un petit peu. Donc voilà, je comptabiliserai la personne qui aura obtenu le plus de voix, hein, le plus de réponses, hein, tout simplement. Et donc la personne qui aura gagné, qui aura le plus de réponses, sera tout simplement le gagnant de ce concours. Hein. Donc c'est vraiment cette fois-ci un concours privilégié pour ceux qui me connaissent. Hein, parce que c'est joli de faire participer, de faire gagner des gens à des gens bah, qu'au final ils sont juste là parce qu'ils ont vu le concours. Hein. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, quelqu'un s'est demandé pour participer, mais le concours était déjà fini depuis longtemps, donc ça prouve vraiment que la personne a vu un concours et au final ça a participé tout simplement parce qu'il a vu qu'il y avait un concours quoi. Donc voilà, maintenant il y aura des questions à chaque fois que je ferai un concours, hein, un petit peu sur moi, hein, en tout cas pour ceux qui me connaissent, hein, parce que c'est bon, comme je dis. C'est joli de faire des concours, mais bon, si on fait pas un petit peu de challenge, ça va pas trop le faire. Bon, c'est vrai que moi, sur les autres concours des gens, j'aime bien tout simplement être un jeu participe. Mais voilà, donc là, je préférais faire comme les autres un petit peu. Surtout aussi pour moi, je trouve que c'est un peu mieux de fidéliser ceux qui me connaissent réellement. Donc voilà, je reprécise les questions. Donc, première question, quels sont mes trois jeux préférés? Il y a des indices un peu éparpillés partout sur des vidéos, tout ça. Il y a aussi des indices qui vont être postés un petit peu. Voilà, donc vous verrez un peu. Ensuite, la deuxième question, quel était mon ancien full set en jeu vidéo? Hein, donc, même que je l'ai arrêté, hein, vous le savez peut-être. Hein. Et ensuite, la dernière question, c'était qu'est-ce que je collectionne actuellement le plus, tout simplement. Il y a déjà des indices, hein, vous verrez peut-être. Donc voilà, en tout cas, la personne qui aura le plus de bonnes réponses, bah bien sûr, sera le grand gagnant.
Et si jamais il y a un ex-aequo, je sais pas, on verra bien par la suite. Peut-être qu'à la rigueur, par la suite, s'il y a un ex-aequo, imaginons, bah, ce qui se passe, c'est que je pense que prochainement, j'achèterai un code Xbox Game Pass et la personne pourra l'avoir tout simplement. Hein. Donc j'ai encore décidé de temps en temps de faire gagner des trucs Xbox Game Pass. Hein. Donc je précise, il y a déjà eu deux gagnants ou trois gagnants sur la chaîne. Hein. Bon, voilà, il y a eu Julien Cambier, je pense, qui a gagné. Il y a eu également. Rasparen qui a gagné également et Zel Vincent. Donc comme d'habitude, bah, ces trois participants ne peuvent pas participer pour le moment. Peut-être que par la suite, bon, si jamais il n'y a pas beaucoup de gagnants, peut-être qu'ils pourront participer, on verra. Ça dépendra s'il y a beaucoup de participants ou non. Donc voilà les amis, en tout cas. Donc voilà, je tiens à préciser aussi que ça, ce code est disponible dans un truc, dans le collector tout simplement, de, enfin l'édition limitée de Life is Strange. Hein. Donc si jamais vous avez cette édition, bon. Que vous avez déjà le code et que ça ne va pas vous servir, peut-être laisser gagner, laisser la chance aux autres personnes, par exemple, qui n'ont pas ce code, hein, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, c'est enfin, un peu fourni partout. De base, j'allais le donner à des amis, mais tout le monde l'avait, du coup, ben voilà, au final, je ne l'ai pas donné. Je l'ai fait gagner en concours, hein, voilà. Donc voilà, en tout cas, les amis, en tout cas, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. En tout cas, j'espère, encore une fois, que ce petit geste de concours vous plaira, hein, parce que c'est vrai que la dernière fois, pas mal de gens ont mis déjà pas pour un concours, et je suis sûr que ces gens-là, ils participent à la chaîne. Hein. Donc voilà, maintenant, ce sera maintenant de la fidélisation, c'est-à-dire ceux qui me connaissent, bah, gagneront peut-être, hein, donc il y a peut-être quelques personnes qui me connaissent réellement, et qui connaissent un petit peu bah, ce que j'aime, et ce que j'ai joué, ce que j'ai bien aimé, tout ça, et voilà. Donc voilà les amis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ici, je vais mettre pas mal de vidéos ces temps-ci, des retards de vidéos que je n'ai toujours pas postées. Vous allez voir, il y a des vidéos qui datent encore de novembre. Hein. Ici, je suis en train de mettre un avis d'un jeu que j'avais fait en novembre, je pense, et que je l'avais toujours pas posté. D'ailleurs, voilà, je dois sûrement faire le DLC ici. Hein, donc voilà, il y aura pas mal de vidéos, des vidéos achats aussi, une achat de jeux vidéo que j'avais pas encore posté. Je vous la posterai bientôt, tout à l'heure, je pense. Et voilà, donc il y aura pas mal de vidéos ces temps-ci. Hein. Parce que le mois prochain, je sais pas, on verra bien, mais je sais que je dois un peu garder des sous pour la Pixel D, du coup, bah, il y aura peut-être pas beaucoup d'achats le mois prochain. Voilà les amis, on arrête là pour la vidéo en tout cas. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis.